Bonjour à tous et à tous. Donc, moi, je vais vous parler des apprentis chasseurs-cueilleurs en Europe au XXIe siècle. Donc, c'est mon sujet d'étude de mémoire de master en anthropologie sociale. Je vais essayer d'abord de diagnostiquer le début de la crise écologique au cours de l'histoire humaine. Donc, on va faire un petit récapitulatif de l'histoire d'Homo sapiens. Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans et il a été chasseur-cueilleur pendant 96% de son histoire, durant le paléolithique. Et c'est seulement à partir de la fin de la glaciation que le paléolithique s'est arrêté, avec le début de l'Holocène, et que divers modes de vie sont apparus. Donc, par exemple, avec le mésolithique, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs, mais qui commençaient à se sédentariser progressivement. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à faire de l'élevage et domestiquer des plantes. C'est ce qu'on appelle le néolithique. Et ensuite, l'histoire, on la connaît généralement. Donc, c'est à partir de la fin de la période glaciaire que le climat s'est réchauffé et que l'agriculture a été possible et l'élevage des animaux. Mais donc, il y a quand même des gens qui ont gardé le mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Tout le monde n'est pas passé au néolithique. Il y en a qui sont passés à l'agriculture, mais qui sont revenus au mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Et donc, on a des exemples de chasseurs-cueilleurs qui vivent toujours actuellement. Et des chasseurs-cueilleurs, même en Europe, des gens qui essaient de revivre comme les chasseurs-cueilleurs. Mais ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Donc déjà, quand est-ce qu'a pu débuter la crise écologique dans toute cette histoire ? Certains scientifiques disent que Homo sapiens aurait toujours surexploité son environnement et aurait causé depuis le départ beaucoup d'extinctions d'espèces et notamment de la mégafaune. Depuis 50 000 ans en Australie et 10 000 ans en Europe, 15 000 ans en Amérique du Nord. Mais bon, peut-être que ce serait une combinaison de facteurs, pas seulement la faute de l'humain, mais aussi la faute du climat, parce que la majorité des extinctions a eu lieu pendant la transition ère glaciaire et réchauffement. Donc l'humain n'est peut-être pas le seul coupable et peut-être pas du tout le coupable de l'extinction des mégafaunes. Certains disent que le début de la crise écologique commence avec le néolithique, avec le début de l'explosion de la démographie. En fait, avec la sédentarisation et le stockage alimentaire, il y a eu une accumulation de biens possibles, la propriété privée qui s'est développée, et donc avec ça, la stratification sociale, les inégalités matérielles, la division massive du travail, et donc des grandes constructions, mais aussi des grandes destructions, et une grosse pression sur l'environnement. Le stockage alimentaire a permis une croissance démographique exponentielle qui a aussi eu un impact d'autant plus important sur l'environnement. L'agriculture, en fait, on s'est rendu compte que les agriculteurs du néolithique avaient une santé dégradée par rapport à celle des chasseurs-cueilleurs. On remarque un déclin de leur taille, un déclin de la dentition avec l'apparition des premières caries, avec le néolithique, des troubles posturaux dus au travail des champs. Et puis l'élevage, ça a causé des zoonoses, donc des épidémies. Les épidémies ont régulé un peu la croissance démographique, mais c'est aussi la promiscuité avec la densité de population qui faisait que les épidémies s'étendaient. Et donc pour faire de l'agriculture, évidemment, il faut déforester. Donc il y a eu une forte pression sur l'environnement. Enfin, parce que c'était surtout de l'agriculture céréalière et tout ça. Mais il y avait des formes d'agriculture, par exemple chez les Jivaro en Amérique du Sud, où ils cultivaient du manioc, mais ils ne faisaient pas de stockage. Donc finalement, ils n'avaient pas les impacts négatifs du néolithique. Et puis, c'était pas,
Voilà. Et certains disent que, considèrent que le début de la crise écologique commence à partir de l'ère industrielle et de la grande accélération, où l'humain a eu un impact énorme sur son environnement. Mais certains humains essaient de faire le chemin inverse. Certains Européens essaient de revenir, en fait, avant le néolithique. Donc, ils apprennent à vivre comme des chasseurs-cueilleurs, en fait. Donc, ils sont plusieurs centaines en Europe à se regrouper. Il y a un nombre croissant de formations pour apprendre à la cueillette sauvage, pour apprendre des techniques de vie primitives, par exemple, comment faire un feu avec des bâtons, avec des silex et marcassites, comment faire des abris, comment faire ses propres habits, comment tanner des peaux, etc. Alors certains se rassemblent pour s'immerger dans la nature et d'autres se rassemblent dans des musées de préhistoire vivante. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu ici. Donc il y a des musées de préhistoire vivante, malheureusement pas en France, mais bon, il y a quand même quelques petites reconstitutions des ateliers en France, mais vraiment pour des rassemblements préhistoriques, c'est plutôt, enfin, des rassemblements de reconstitution en Allemagne, en Finlande et au Danemark. Voilà. Et dans ces musées vivants, ils font de l'archéologie expérimentale. Donc c'est une discipline qui est née des travaux de Leroy Gourhan et François Borde dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Et donc en fait, ils essaient de retrouver les usages et les fonctions des objets qu'ils trouvent, des objets archéologiques et des vestiges. Donc là, on a un exemple d'un archéologue expérimental qui a fait un documentaire qui s'appelle « Le Yukon, la quête sauvage », où il montre son mode de vie, comment il essaye de comprendre vraiment le passé à travers l'expérimentation. Donc dans les musées vivants, on fait aussi des expériences. Par exemple, on construit des huttes de sudation à partir des trous qu'on retrouve dans le sol. On essaie de deviner comment ils pouvaient faire, en s'inspirant aussi parfois des modes de vie de chasseurs-cueilleurs actuels. Il y a une reconstitution du Mésolithique, donc tout ça, c'est une reconstitution du Mésolithique. Une pirogue qui avait été retrouvée, enfin on avait retrouvé un petit morceau, ils ont essayé de refaire toute la pirogue, des bateaux avec des peaux de vache, mais aussi des tatouages au silex et au charbon qui s'en vont généralement au bout de quelques années. De cuisson de poterie, de la taille de silex, de la construction des huttes, du feu par friction avec des morceaux de bois. Voilà. Donc c'est avec... ils essaient d'utiliser vraiment des outils préhisto-compatibles, paléo-compatibles ou méso-compatibles, enfin selon l'époque qu'on essaie de reconstituer. Ils reconstituent le mésolithique, mais aussi parfois le paléolithique, même si c'est plus le même climat. Ils récupèrent des peaux de rennes qu'on retrouvait à l'époque ici, en France, pour essayer d'illustrer un peu cette période. Alors moi, j'ai pu m'immerger au sein de ces reconstitutions en tant que reconstitueuse pendant plusieurs semaines. Et le profil des reconstitueurs est très varié. Alors il peut y avoir des familles, des archéologues, des amateurs, des professionnels, vraiment de tout âge et... qui sont juste passionnés de préhistoire ou de vie dans la nature et essaient d'avoir un mode de vie plus écologique. Et certains essaient d'intégrer ces pratiques-là dans leur mode de vie. Donc, ils fabriquent leurs propres habits, ils essaient de combiner... par exemple, ils essaient d'habiter dans des habitats légers, dans des habitats comme des yourtes. Mais c'est juste quelques semaines par an... en été, la plupart du temps, qui se retrouvent ensemble pour échanger des techniques, des savoir-faire, etc. Alors, au cours de ces immersions, en tant que reconstitueuse, j'ai pu voir changer mon rapport à mon environnement. Donc, la plupart des gens essaient de manger paléo-compatible quand ils sont sur place, donc de la viande, des plantes, etc. On récupère des gibiers qui ont été chassés, parce que bon, on n'a pas le droit de chasser à l'arc en Allemagne. Et voilà, mais il y a quelques petites exceptions. Donc en Allemagne, on aime la bière, par exemple.
Mais ce qui m'a marqué, donc, c'était qu'on est tout le temps en contact avec la mort quand on porte des habits faits en peau d'animaux. On doit tanner les peaux, on récupère les os, on fabrique des outils avec, on récupère les dents, on fabrique des choses avec tout ce qu'on trouve et on récupère tout pour tout recycler. Rien n'est perdu dans l'animal. On récupère les tendons pour raccommoder les flèches. On récupère tout. Et ça fait bizarre au début d'être vraiment au contact de la mort, mais aussi au contact de la vie. Et puis quand on récupère les branches, on voit directement notre impact. On sait d'où viennent les choses et on voit vraiment ce qui se passe quand on coupe des orties. Par exemple, on se rend compte qu'elles repoussent en double ou des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour illustrer qu'il y a quand même la présence de la mort, mais aussi de la vie. Donc c'est vraiment... qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, on vit dans les huttes, on dort dans les huttes, on dort avec des peaux d'animaux. Là, c'est un sauna qu'on voit, le petit truc. Une reconstitution de sauna, de hutte de sudation. Mais les gens sont quand même ancrés dans leur époque, ils ne refusent pas tout en bloc, ils ont quand même une vie en dehors, c'est juste qu'ils essaient d'intégrer ces pratiques au cours de leur vie quotidienne. Alors moi, je me suis immergée aussi avec des groupes d'apprentis chasseurs-cueilleurs en France qui essaient d'intégrer ces pratiques justement là et qui retransmettent leur savoir-faire à travers des stages. Et voilà, bon, moi j'ai fait des stages aussi avec eux pour le tannage. Mais quelles sont les motivations de ces nouveaux chasseurs-cueilleurs ? Donc ils essaient avant tout de réduire au maximum leur impact écologique. Certains évoquent plutôt leur désir de liberté, de savoir se débrouiller dans la nature, d'autres de se reconnecter au vivant, le goût de l'aventure, l'artisanat, et aussi essayer de transmettre tout ça pour répondre à la crise écologique. Donc, comme je vous disais, ils vivaient plutôt en yourte avec des poules qui ne sont pas mésolithiques, mais ils font avec ce qu'ils peuvent. Parce que, bon, évidemment, avec la perte de toutes les espèces animales, il ne reste plus grand-chose, quoi. Il n'y a plus trop de bisons à chasser. Voilà. Alors, donc, ils chassent... enfin, eux ne chassent pas, mais certains d'autres chassent à l'arc, parce que c'est autorisé en France de chasser à l'arc. Il faut tout un tas de permis, mais... ils taillent du silex, ils font du tannage de peau, de la vannerie sauvage, du feu par friction, du tannage de peau. Ils essaient de reconstituer avec des silex, faire des grattoirs. Et puis ils combinent certains habits modernes avec leurs habits quotidiens, donc ils intègrent vraiment ça dans leur vie. Ils reconstruisent des objets archéologiques. Comme une flûte, qui est le plus vieil instrument retrouvé en os, et des rondelles, on ne sait pas trop ce que c'était, enfin à quoi ça servait. Mais ils ont aussi refait des bracelets en ivoire de mammouth, parce qu'en fait, il y a un commerce d'ivoire de mammouth, on peut récupérer de l'ivoire. Alors ça, c'est des flèches du Mésolithique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont très efficaces. Elles peuvent traverser un sanglier, on en a fait l'expérience. Et elles sont très coupantes et faciles à faire, en fait. C'est, contrairement aux flèches pointues du néolithique, elles sont plutôt utiles. Donc, mais quel plan avons-nous à notre disposition pour la transition écologique ? Donc, il y a l'exemple du Shift Project, par exemple. Quoi ? Oui. Oui, oui, bah, eux, ils essaient de vivre au plus proche de la nature, d'apprendre tout ça, de réduire leur empreinte. C'est ça, leur motivation. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Ils veulent réduire le moins possible. Ils ne veulent plus voir de plastique, donc ils font en sorte vraiment d'éviter le plastique, d'éviter tout ce qui les dérange. Et c'est vrai que quand on est tout le temps habillé en...
en peau d'animaux. Ça fait bizarre ensuite de voir les visiteurs avec des couleurs rose flashy. C'est vraiment agressif en fait. On ne se rend pas compte que quand on est tout le temps habillé en peau, ça, le plastique après ça nous fait bizarre. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la préhistoire, ou même les chasseurs-cueilleurs, ne vivaient pas dans la misère, dans la pauvreté, etc. Non, il y avait une abondance de ressources. Et Marshall Salins, par exemple, dans Âge de pierre, âge d'abondance, l'a montré qu'en fait, les chasseurs-cueilleurs jouissaient d'un temps libre beaucoup plus important que les agriculteurs, et aussi d'une abondance de ressources, finalement. Puis, ils ne ressentaient pas forcément le besoin de stocker. Donc, c'est que même s'il y avait une abondance de ressources, ils ne stockaient pas forcément parce qu'ils savaient qu'il y avait de la nourriture un peu partout. Bon, il peut y avoir des épisodes de famine, mais il y en avait aussi chez les agriculteurs quand la saison était mauvaise, et puis là, il n'y avait plus rien à manger parce qu'il n'y avait plus de bisons, quoi. Donc, quel exemple pour la transition écologique ? Nous avons par exemple le Shift Project, qui essaie de décarboner l'économie. Donc ils ont un projet sur 5 ans de décarboner de 25% les gaz à émissions à effet de serre en France. Ils veulent agir surtout sur le secteur tertiaire, transport, résidentiel, mais ils ne parlent pas de biodiversité, de pollution chimique, de déchets radioactifs et tout ça. Donc le mode de vie de chasseur-cueilleur répondrait plutôt à toutes ces attentes-là par rapport à la biodiversité. Donc on va comparer un peu l'impact carbone. Donc ça, c'est mes estimations, ça va assez vite. Hein. C'est incomparable en fait au niveau carbone. Et puis au niveau zéro déchet, zéro énergie fossile, évidemment c'est 100% renouvelable, sauf les pierres qui ne sont pas renouvelables, évidemment. Mais il s'agit de chercher à comprendre si le système technique est pérenne par rapport à la densité de population, parce qu'il faut éviter de prélever plus que la capacité de régénération des écosystèmes. Et c'est ce dont Julien Carré a parlé dans son ouvrage « Sans charbon et sans pétrole ». Il essaie d'examiner les systèmes techniques de deux systèmes de chasseurs-cueilleurs pour évaluer si c'était vraiment pérenne. Et voilà, si ça vous intéresse. Alors, la limite de ce mode de vie, évidemment, c'est qu'il faut une densité de population très faible, ce que nous n'avons pas en Europe, parce que la population est trop importante. Mais on ne peut pas généraliser ce mode de vie, mais pourquoi pas hybrider ces pratiques avec notre vie, dans notre vie quotidienne, et de voir ça comme un continuum de pratiques écologiques. Donc on pourrait faire plus d'autoconstruction écologique, vivre dans nos habitats légers. Bon, c'est un peu compliqué en France parce que c'est dans la limite de la légalité, de vivre en yourte. On peut nous mettre des bâtons dans les roues facilement, et il faudrait quand même légitimer ces habitats puisqu'ils sont plus écologiques. On pourrait penser à élargir ces pratiques de réensauvagement avec des jardins partagés, des toilettes sèches, etc. Et pour finir, certains humains sont en train de créer une réserve d'humains et non-humains sauvages. Donc, elle n'est pas encore créée, mais ils sont en train de lancer un financement participatif pour créer des zones de réserve. Donc là, c'est en Norvège. C'est la première réserve qu'ils veulent créer, mais ils veulent en créer aussi en Espagne et dans d'autres endroits. Et voir si ce système peut marcher, quel impact ça aura sur l'environnement. Est-ce que les humains arriveront à s'introduire, à se réintroduire dans la nature et à impacter le moins possible les écosystèmes et réensauvager toutes ces superficies-là. Donc ils seraient... Il respecterait à peu près la densité des chasseurs-cueilleurs. Donc, il serait 60 pour 600 hectares. Voilà, mais ce serait l'occasion de s'immerger aussi. Il y aura des visiteurs qui pourront venir apprendre avec eux des techniques pour pouvoir se saisir de ces savoir-faire, de ces techniques-là, et les répandre, et les utiliser dans leur vie quotidienne. Voilà, merci beaucoup.